De l'Ascension, les anges ont dit aux apôtres: hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Si cette solennité réjouit nos cœurs parce qu'elle nous donne d'exalter le Christ, désormais assis à la droite du Père, elle attire également notre attention sur la mission universelle qu'il nous a confiée avant de s'en aller. C'est d'annoncer à toute la création la bonne nouvelle du salut. Nami Samaeba Bodimo, Tosenge Naeli Mosantu, Akamabiso, Poteto Yamba, Toye bakoko kisa mokano, mokonzi Yesu achike lisu. Et nous pardonne nos péchés et nous conduisent à la vie éternelle.
manifester ton amour auprès de toi, et c'est là que nous vivions en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, il règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles et les siècles. Amen. Sous-titrage Kasi Nangolo Yakilunzi Kisontu Yanji Vwanji Mepesa Tete Malongi Nabantu Ina Yanji Vwanji Mesola Nakuvwanda Bilanji ya Yanji Namanima Yalufwa ya Yanji Yanji Talanaka Nabau Mbalamingi Samu Nakusongisa Nabauchi Yanji vuandaka jaka moyo. Balumbu makumi iya, yanji talanaka nabau mbala nimbala. Na yanji zonzilaka bau mambu ya kifumu ya nzambi. Lumbu mosi, nantangu yanji vuanji na kuja nabau. Yanji tubaka na bauchi. Beno vwanda awa na Yerusalem. Beno vingila ntete mambu ya nene. Yina tata kanisaka. Ni mambu mutubaka na beno. Samu na Jean-Baptiste vwanda pesa batema na maza. Kasi beno na manima ya mwa bilumbu. Beno kekuzwa batema na kilunzi kisontu. Bilanji inavwanjiki kuna pene pene na Yezu yufulaka yanjichi. Fumu, nintangu yai ngeke yijika jaka kimfumu ya Israel. Yezu vutulaka na bauchi ya kele mambu ya benove. Nitata nzambi Muntu zengaka tangu na lumbu ina yanji kesala yao. Kasi lumbu ina kilunzi kisontu kekuiza na beno, beno kekuzwa ngolo. Na tangu yango beno kevuanda bambangi ya munu, beno ketuba kimbangi ya munu na Yerusalem. Na insi ya Jude na ya Samari. Pe na te na nsongi ya ntoto yai. Ina Yezu vwanjime tuba mambu yango, yanji kuendaka na Zulu. Ina bavwanji tala yao, yanji zimbanaka na kachi ya jituchi. Ina bavwanji na kutala ntete na Zulu, sika Yezu vwanji mekuenda. Babakala zole, ina vwanji mevuata balele ya pembe. Vwanji metelama na sika ya bau, batu bakachi, bantu ya Galile. Samu na iki beno metelama awa na kutala Zulu. Yezu ina mekatuka na sika ya beno, samu na kwenda na Zulu, kekuiza jaka. Kaka ni mchindu mosi, beno metala yanji, nantangu yanji mekuenda. Bampangi, kanda ya yantete mesuka awa. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps, avec la chorale psalmodiant. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Le
battez des mains. Acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le Roi sur toute la terre. S'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. L'annonce, il règne Dieu sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte donc à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. C'est pourquoi l'Écriture dit : Il est monté sur la hauteur. Il a capturé des captifs, il a fait des dons aux hommes. Que veut dire « il est monté » ? Cela veut dire qu'il était d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre. Et celui qui était descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Parole du Seigneur. Mokonzi azala na bino. Amen. Sangoe
l'amour loco la Santo Marco a commis. Au chapitre 16, du verset 15 au verset 20. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit : Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Locomonaio. Frères et sœurs, sans l'ignorer en tant que bons chrétiens, l'Église célèbre aujourd'hui l'ascension du Seigneur, autrement dit, la montée de Jésus au ciel. Un départ nécessaire du Christ qui est bien plutôt un nouveau monde de présence, non extérieur et localisé, mais intérieur et universel. Une présence sur le mode de l'absence. Cependant, l'ascension est donc le signe qui inaugure le ciel, disant en toute rigueur, le signe qui le fait exister, un signe qui fait exister le ciel, certainement sur terre. Car si Jésus n'était pas monté au ciel, il serait encore parmi nous, au milieu de nous, mais à côté de nous. Seulement, il fallait qu'il monte. Il fallait qu'il retourne auprès du Père, à sa droite, afin que, justement, tout soit accompli. Et saint Paul le dira bel et bien. Il est monté au ciel afin de tout remplir. Éphésiens au chapitre 4, le verset 10. C'est dire donc que l'ascension du Seigneur est une joie pour le monde, une joie pour l'Église et pour les disciples du Christ. Parce que, en fait, elle célèbre en réalité l'exaltation du Christ ressuscité à la droite du Père. Mais elle est aussi un acquis ou encore un avantage pour les croyants que nous sommes. Puisqu'à entendre les mots du psaume de tout à l'heure, par le Christ intronisé à la droite du Père, le règne de Dieu vient dans le monde. Le psaume 46. Frères et sœurs, l'ascension du Seigneur devient en quelque sorte le début d'une mission, car elle inaugure une ère nouvelle de l'histoire du salut, celle du don de l'Esprit répandu à profusion sur les croyants et celle de la prédication dans le monde entier de la bonne nouvelle du salut, acquis par la mort et la résurrection du Christ, Fils du Dieu vivant qui s'est fait chair dans le monde. En d'autres termes, c'est l'ascension ou c'est pas cette occasion de l'ascension que les apôtres vont hériter et recevoir l'Esprit Saint afin que ceux-ci soient dans la dynamique d'aller annoncer avec force la bonne nouvelle partout dans le monde. Car dit l'Évangile, le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes
qu'il leur montrait les signes qui l'accompagnaient. Frères et sœurs, c'est pour dire donc que pour que les disciples que nous sommes sous la direction des apôtres puissions accomplir leur tâche immense d'apporter le salut du Christ au monde et d'établir partout le royaume de Dieu, Jésus nous promet justement la lumière et la force de l'Esprit. Car dit Jésus, vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, en toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux confins de la terre. Actes au chapitre 1, les versets 7 à 8. Cependant, soyons à mesure de comprendre que la mission que le Seigneur a confiée à ses apôtres hier, à nous, ses disciples aujourd'hui, ainsi qu'à l'Église en général, le jour de sa montée au ciel, est celle donc de garder le dépôt de la foi, sans que celle-ci ne s'ébranle, sans que celle-ci ne soit troublée. Car cette mission doit continuer justement son œuvre, l'œuvre du Christ. La mission que les apôtres ont reçue du Seigneur est justement cette mission qui doit perpétuer l'œuvre du Christ, ce jour de l'Ascension. Car en recevant justement le Saint-Esprit, les apôtres doivent cette fois-ci être désormais à même d'aller proclamer cette bonne nouvelle sous l'impulsion du Saint-Esprit, avec force et courage, pour ainsi justement être témoin oculaire de Jésus. C'est ainsi qu'au moment de son départ, le Seigneur va instituer des apôtres témoins de sa résurrection et prédicateurs de la bonne nouvelle dans le monde entier. Justement par l'Esprit, Jésus va donner aux apôtres qu'il avait choisis les instructions, puisque c'est à eux qu'il s'était montré vivant après sa passion. Il leur a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur était apparu et leur avait parlé du royaume des cieux. Actes au chapitre 1, les versets 2 à 3. Croyons donc en l'Esprit, afin que celui-ci soit nos guides, pour que nos pas soient justement éclairés par lui. Amen. Amen.
mitema epai ya nzambe. Otondo mokonji nzambe wabiso. Solo mokonzi ebungise bongo totondo yobutonzi mikolo miso pe bisika biso wana mosala mwa biso pe libiki lia biso yo tata mosantu nzambe wa bokasi bonso pe wa lobiko Kristu mokonzi wa nkembo oyo olingi liwa pe lisumu obuti olikolo lelo banzelo bonso bakamwi okomi molobeli wa biso epai ya yo nzambe ye mokonzi monene akokata likambo lya bato bonso atiki biso te kasi awa azali moto mwa eklesia ayingeli onkembo liboso mpo te biso bonso biteni bya nzoto ya ye tolanda ye kuna yango wana o mokili mobimba bato batondi na esengo ya paska bakosepela banzeli bonso balikolo bakoyembela nkembo ya yo bakoloba tango nyonso. Saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec faiblesse, l'a fait entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Santissa, Mabunza Maye, Elimo Santu, Akitela Mango, Makomela biso nzoto na makila mamokonjo biso Yesu Kristo mokolo bakanga kiye amipesi pe andimi koyoka pasi akamati lipa atundi yo abukiliango apesi baye kolibaye alobi kamata ni boliango bino bonso
Eyezalinzo toyangai na kokabayango po ya bino. Esilisi bango kolia akamati penkeni. Atondi yo lisusu apesi baye kolibaye alobi. Kamatani bomele yango bino bonso. Ezalinkeni ya makila mangai. Makila mabondeko bwasika pe bwaseko. Makosopana po ya bino pe po ya bato bonso. Natina te bozwa bolimbisi bwa masumu. Bosala kaboye po ya kokanisa ngai. Kondi toko kanisali wapense kwa ya mwana wayo toko bonze la yobile ibiko pesa bomo ibolo biko toko tondo yo zambi obengi biso awa mpo ya kukumisa yo toko bonze la yo ekokula biso nzoto na makila ma Kristu elimo santo wa sangisa biso toko mase motomoko. Mokonzi nzambe toko kanisa yo toko kanisa liwa pese kwa ya mwana wayo toko bonzela yo bileye bikopesa bomoye bwa lobiko toko tondo yo nzambi obengi biso awa po ya kokumisa yo toko tondela yo okokula biso nzoto na makila ma Kristo elimo santo asangisa biso tokoma se motomoko mokonzi kanisa eklesia ya yo epalangani onse mobimba okolisa bolingo bwayo o mitema mia bana bayo kanisa papa wabiso François na episcopo wabiso Anatole na bienvenue na banganga nzambe banso okanisa pe bandeko babiso bawe bazalaki na elikia ya kosekwa okanisa baye banso batiki se eye oyamba bango omboka yo bamona elongi ya yo tokobondela yo oyokela biso banso mawa oyamba biso obomoye bwaseko elongo na ngondo mosantu Maria Moboti wa Nzambe elongo na santu Yosefu elongo na bapostolu mpe na basantu bayo banso bazalaka bandeko bayo awa onse bango tokumisa mpe tokembela yo na Yesu Kristo mwana wayo wa bolingo. Mokonzi tokumisa kombo ya yo sa
soseko. Lokola mobikisi atindi pe ateibiso tokoki koloba boye tata wa biso. Bon de la yo mokonzi obikisa biso o mabemonso opesa biso opesa mikolomia biso boboto na lisali silangolo ya yo tobo ya masumu seko pe makambo mako la biso te tozala na elike ya koyoka esengo yo lakela ki biso etomona mokolo Yesu Kristo mokonzi wa biso akodzonga. Kondi Yesu Kristu olobaki na bapostolo te na kotikela bino boboto na kopesa bino boboto bwangai. Otala masuma biso te kasi tala boyambi wa eklesia ya yo. Pesa yango boboto pe kumisa yango libota lyoko. Yo ozali mokonzi obileko binso seko. Amen. Boboto bwa mokonzi bozala na bino bonso. Bandeko mpo ya bolingi Kristu botombela na boboto nile ya Kristu. Au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Ouvrons donc nos cœurs à l'Esprit Saint afin que celui-ci soit notre guide, surtout dans la mission dont nous avons la charge d'exécuter, d'assumer et de vivre. Mission qui s'appesantit sur les trois fonctions, la fonction du prêtre que nous exerçons en tant que baptisés, du prophète et du roi. Acceptons que cet Esprit vienne justement faire de nous des hommes de prière. Acceptons que cet Esprit vienne faire de nous des véritables prophètes, prédicateurs, messagers, témoins du Christ. Acceptons que cet Esprit vienne faire de nous des véritables rois dans tous les milieux où nous avons la charge des autres, afin que celui-ci nous inspire l'intelligence et la sagesse de mieux diriger les autres. Levons-nous pour la bénédiction solennelle. À chaque strophe, vous allez répondre par « Amen ». Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, il enlève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples. Qu'il ait pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le. Trouvez-le aussi près de vous jusqu'à la fin, comme il a promis. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne suite de fête à toutes et à tous. Mm-hmm.